Pathoscopie, Pathoscopie Nicolas Venance, Pathoscopie, une émission d'Actunotip. Bonjour et bienvenue à vous sur Pathoscopie. Alors, chers amis et petits vénards, aujourd'hui sur Pathoscopie, je vous propose la visite d'un bateau iconique sur le marché des voiliers de grand voyage. Ce bateau, vous pouvez le découvrir avec moi. Ce bateau, il est exposé sur le Grand Pavois 2021. C'est Lamel 50. Ah, je vois que vous frémissez derrière vos écrans. Ce bateau, vous allez pouvoir le visiter maintenant en direct pour une visite de 15-20 minutes avec Stéphanie Ruillier, directrice du marketing d'Amel. Stéphanie, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Stéphanie, vous avez la chance de travailler pour un chantier iconique, c'est le chantier Amel, constructeur de voiliers de grand voyage que l'on ne présente plus, les Amel, les fameux Amel. Et aujourd'hui on va offrir une madeleine à nos viewers, c'est de monter à bord du 50. Le 50 qui est un bateau qui a un programme de navigation très spécifique. On va le découvrir tout au long de ce reportage. Mais auparavant, quelques mots sur Amel. Oui, Nicolas, merci de nous permettre de présenter Amel 50. Les chantiers Amel existent depuis plus de 50 ans à La Rochelle. Ils ont été fondés par Henri Amel, qui, à l'âge de 50 ans et plus, a décidé de créer son entreprise. Voilà, c'est un jeune entrepreneur, plein d'idées, et qui voulait concevoir des bateaux pour la grande croisière. Alors, il a commencé par des petits modèles, puis assez rapidement a lancé des modèles plus gros. Des voiliers qui soient surtout faciles à utiliser, simples à manœuvrer, pour qu'un couple puisse faire le tour du monde sur le bateau en toute sécurité et avec une grande facilité de manœuvre. Oui, parce que quelque part, un Amel, c'est un bateau qui... ce n'est pas un voilier ordinaire, c'est le bateau sur lequel on réalise le voyage de sa vie. Oui, on peut dire ça. Aujourd'hui, les clients que nous avons se sont beaucoup renouvelés. On a des clients de plus en plus jeunes et qui ont cette envie de changer de vie, d'avoir un nouveau projet de vie à bord, de voyage, alors autour du monde ou pas, mais en tout cas de grands voyages, en couple aussi toujours, ou en famille ou avec des amis. Voilà, donc ça reste toujours le même type de programme, plus varié, on va dire encore. Alors, vous êtes aussi une marque de luxe, parce qu'un Amel, c'est un voilier de luxe. Oui, on peut dire ça. Le terme luxe peut être assez avoir plusieurs sens. Pour nous, c'est surtout le luxe de pouvoir apporter un bateau qui soit fiable, qui permette aux utilisateurs de se sentir vraiment en sécurité et très à l'aise pour manœuvrer en haute mer ou au port ou à un mouillage en Méditerranée. C'est ça pour nous le luxe surtout. Et bien sûr, la qualité de fabrication aussi du bateau. Alors, on va prendre un peu de recul, Stéphanie, et découvrir cette ligne. Alors, qui est l'architecte de cette Amel 50? Alors, on travaille, les chantiers Amel travaillent avec Olivier Racoupeau du cabinet Béret Racoupeau Yacht Design pour l'Amel 50. Depuis, d'ailleurs, d'autres modèles avaient été créés déjà avec Olivier Racoupeau, l'Amel 64, l'Amel 55. Et aujourd'hui, c'est lui aussi qui a dessiné l'Amel 50 et son grand frère, l'Amel 60. Alors, une ligne très racée, très pure, avec un style que l'on reconnaît entre mille aux jumelles sur le plan d'eau. Parce que ça aussi, dans la signature stylistique d'Amel, un Amel, on peut pas ne pas les reconnaître. Oui, alors c'est le cockpit central. Voilà, le cockpit central avec son abri rigide, hyper protecteur, et dans lequel en fait toutes les manœuvres peuvent se faire. Toutes les commandes d'enrouleur de voile, le propulseur d'étrave, tout est rapporté au niveau du cockpit central. Alors ça c'est incroyable parce qu'en fait, quelque part, vous êtes les chantres de l'Easy Sailing. Oui, tout à fait. Le principe est de pouvoir manœuvrer le bateau très facilement avec les joysticks, bien sûr, qui permettent d'utiliser l'enrouleur électrique de voile dans le mât, le chariot sur l'écoute, le chariot d'écoute dans la baume, et puis ne pas avoir à sortir du cockpit, en fait. Si vraiment on doit sortir du cockpit, alors à ce moment-là, on a un pont très dégagé et puis un balcon rigide tout autour du bateau pour se sentir en sécurité malgré tout.
Ouais, alors là, on va monter à bord et on va découvrir effectivement ce sentiment de sécurité. Mais alors, quelle ligne ? Alors, effectivement, Easy Sailing, le bateau est très impressionnant, hein, d'un point de vue de son volume. Oui, la MEL 50 a une ligne, alors un design très moderne. Hein, on a vraiment travaillé quand même sur une silhouette épurée, brassée. Et puis, il a pris beaucoup en largeur aussi pour gagner du volume de vie à bord, en fait, hein, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'on a aussi un cockpit qui est plus large par rapport au modèle précédent. Une plage de bain arrière aussi vraiment spacieuse, la plage de bain de soleil aussi qui est très agréable. Tout ça pour permettre aux navigateurs, aux utilisateurs de vivre à bord en fait, dans un grand confort. Oui, parce que là vous avez dit le bon terme, on se rendra compte à bord du bateau. Un Hamel, c'est un bateau à bord duquel on vit, on passe des vrais moments de vie. Exactement, oui. Qu'on soit en couple, qu'on soit avec des jeunes enfants, avec des amis, le bateau a beaucoup d'espace de convivialité. Le barreur, par exemple, n'est pas isolé. Il est dans le cockpit, à la barre, sous l'abri. Et, dans le cockpit, on a aussi la table de repas, on a aussi la plage de bain de soleil qui communique. Et puis, depuis le cockpit, on peut accéder à l'intérieur du bateau facilement. Et donc, il y a vraiment toujours, tout le monde est toujours ensemble, en fait. Alors effectivement, très grande plateforme de bain arrière, très vaste, une magnifique marche en teck pour accéder à bord. Et alors là, on comprend tout le sens du cockpit central. Oui, d'ici, on peut apercevoir le poste de barre donc à bâbord avec les instruments de navigation, le radar, la cartographie, les indicateurs de vent et de vitesse. La table de cockpit qui est en position repliée ici pour faciliter le passage, mais qui s'ouvre évidemment, qui se déploie avec des rallonges pour avoir plus de place pour accueillir pas mal de convives. Et puis ici, donc, la plage de bain de soleil sur laquelle on peut poser des matelas bain de soleil, bien sûr. On a des rangements sur le pont aussi un peu partout pour les écoutes, pour les accessoires. Alors ici, c'est deux grands coffres pour ranger les écoutes. Ça, c'est bien vu et ça dégage le pont. C'est très propre. Les winches parfaitement accessibles depuis la partie protégée du cockpit central. Alors, vous parliez effectivement de plan de pont dégagé. Quel sentiment de sérénité quand on se déplace à bord du bateau. Le bateau, il est impressionnant. On a ces balcons inox. On a les deux voiles d'avant qui sont frappées sur ce cotre. En fait, c'est très apaisant. Mais tant mieux. Si toi, Nicolas, tu as ce sentiment, c'est exactement le sentiment qu'on veut donner avec ce bateau. Un sentiment rassurant, de solidité, voilà, de sécurité, c'est vraiment très important. On va maintenant découvrir l'intérieur du cockpit. Les passes avant sont extrêmement larges, c'est très confortable. Le niveau de finition est incroyable à l'extérieur de ce bateau. Et là, on comprend le T-top qui protège le cockpit central avec ce toit coulissant qui permet de faire rentrer la lumière ou de se protéger selon le moment de la journée. Effectivement, quand on est dans ce cockpit central, en fait, on a une visibilité à 360 qui est impressionnante. On est protégé du vent. On peut aller au bout du monde. Mais tout à fait, on peut aller au bout du monde. On peut naviguer. Alors ici, à La Rochelle, on a l'habitude de faire les essais en mer avec les futurs acheteurs. Et donc, évidemment, toute l'année. Hein. Donc ici, sur le cockpit, on peut aussi rajouter des fermetures d'hiver en toile et en transparent et qui permettent de naviguer en chemisette, même l'hiver, en fait. Alors, vous parliez d'Easy Sailing. Expliquez-nous tout ce que l'on peut faire depuis ce poste de barre. Eh bien, depuis ce poste de barre, on a par exemple, si on commence par la partie gauche, bien sûr, la manette de commande du moteur principal. Ensuite, on a les commandes du propulseur d'étrave, donc le système Hamel, toujours avec un propulseur rétractable. Ensuite, l'instrumentation de navigation.
Et puis sur la partie droite, ici, on a les joysticks d'utilisation de winch électrique bâbord tribord, qui servent donc pour le génois et la trinquette. Et puis les enrouleurs donc de voile, alors enrouleurs de génois dans un premier temps, et ensuite grand voile, l'enrouleur. Alors ici, en fait, plutôt, en effet, l'enrouleur du grand mât, la baume, et ici on a la trinquette et le génois. Il y a une spécificité qui est propre à votre chantier, c'est que vous construisez vos propres mâts. Oui, on a un profil à mêle, en effet, de mâts, que l'on fait donc extruder chez un fournisseur de mâts en aluminium. Et puis ensuite, on va tout l'équiper dans nos ateliers. Donc ça, c'est pour la mêle 50. Pour la mêle 60, c'est une autre technique, mais pour la mêle 50, c'est le cas. Donc c'est en effet notre profil qui est vraiment adapté à notre système d'enrouleur de voile. Oui, parce que vous êtes un des chantiers qui s'est le plus développé et qui a contribué fortement au développement du marché des voiles à enrouleur. Alors, je ne sais pas, en effet, si on a eu une influence dans ce domaine-là, mais en tout cas, nous, on a vraiment éprouvé cette technologie et aujourd'hui, voilà, on continue à l'utiliser et elle donne vraiment satisfaction, en effet. Vos clients, ils pourraient s'en passer ? Ben non, évidemment, ce ne serait pas du tout le même concept. Ce ne serait plus un hamel, en effet, sans les enrouleurs de voile, voilà, on sort du concept. Qui sont vos clients, Stéphanie ? Alors, nos clients sont très variés. Alors, sur une production annuelle de 20 bateaux par an, enfin 15 pour le 50 et 5 pour le 60, c'est difficile de faire des statistiques, évidemment, mais ils sont très variés par leur nationalité. On va avoir des clients de pays européens, des Français aussi un petit peu, des clients de Russie, d'Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Brésil, Chili. On peut avoir voilà, des clients, un client qui va surgir d'un pays peut-être où on n'aura jamais prospecté, mais qui aura vu nos bateaux sur Internet, par exemple. Aujourd'hui, avec la communication digitale, évidemment, n'importe quel navigateur dans le monde peut se renseigner sur les bateaux à mêle. Et quant à leur profil social, là aussi, c'est assez varié. C'est, en âge aussi, ça peut être assez varié, même si la clientèle s'est beaucoup rajeunie. Mais on peut avoir généralement... On a une tendance quand même de clients qui sont, par exemple, des personnes qui avaient des entreprises et qui ont vendu leurs affaires ou une partie de leurs affaires pour se consacrer, justement, après avoir passé pas mal de temps à travailler et à développer leur business, prennent du temps pour eux et pour naviguer, justement, sur leur bateau, le bateau de leur rêve. Alors Stéphanie, il y a aussi une chose qui est étonnante sur un hamel, c'est la salle des machines. On peut que l'appeler comme ça en fait. Oui, sur nos bateaux, la salle des machines n'est accessible que depuis le cockpit. On n'a pas de communication avec l'intérieur du bateau pour le préserver, pour préserver l'intérieur des bruits, des salissures, des odeurs aussi de machinerie. Donc tout se fait depuis le cockpit. On a le fond du cockpit qui s'ouvre. Démonstration. Vous allez nous montrer ça. Alors, chers viewers, vous allez voir une salle des machines que l'on voit rarement sur un voilier. Et ça, c'est vraiment une des spécificités d'Amel. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce type d'organisation et comment elle s'organise et ce que ça permet de faire en fait. Alors ça permet d'avoir donc une salle spacieuse, une salle des machines spacieuse dans laquelle on peut se tenir debout puisqu'on peut travailler évidemment en laissant le coffre ouvert. On a le coffre ouvert, mais malgré tout, on est protégé, puisqu'au-dessus, n'oublions pas que nous avons le hardtop. Donc, si on est sous la pluie, par exemple, on peut laisser le hardtop complètement déployé et on est protégé. Et malgré tout, dans une salle des machines spacieuse, ventilée, et qui regroupe tous les éléments principaux techniques. Alors, le moteur principal, bien sûr. Aujourd'hui, là, donc ici, on voit ce bateau est équipé d'un Volvo 110 chevaux. Mais ça c'est un modèle qui va être arrêté, donc les prochains ML50 ensuite seront équipés d'un Volvo 150 chevaux. On a le groupe électrogène, le dessalinisateur par exemple, les groupes de clim, aussi une grosse partie de l'énergie électrique qui se trouve ici. Ça en fait quand on voyage longtemps c'est indispensable de pouvoir confortablement aller checker ce qui se passe au niveau du technique. Oui, tout à fait. Alors, sur nos bateaux, on a à cœur aussi d'avoir des accès techniques facilités.
Et avec aussi le maximum de choses intuitives. C'est-à-dire il faut que le client puisse déjà se dépanner lui-même, ou tout du moins faire l'entretien lui-même. C'est la première phase finalement du service AMEL. C'est-à-dire que le bateau déjà en lui-même apporte lui-même le service au client en fait. Ensuite, bien sûr, il y a tout l'accompagnement de l'équipe du chantier qui est derrière. Mais déjà, si le bateau est conçu de manière à ce que le client puisse trouver facilement lui-même ses appareils techniques, c'est très important. Le bateau de leur rêve dans lequel on va maintenant rentrer, découvrir l'intérieur qui est exceptionnel. Donc des gens qui sont exigeants quelque part. Oui, ça c'est un point commun quand même. Ils sont exigeants. On va le découvrir en rentrant dans le carré de cette AMEL 50. Le niveau de finition de ce bateau est extraordinaire. Alors comment avez-vous décidé d'organiser le plan de ce carré ? Alors, on voulait que le bateau puisse permettre d'avoir un maximum de confort, de vie à bord, enfin, comme tous les bateaux à mêle, évidemment, mais on voulait aussi qu'il soit plus ouvert, plus aéré, plus lumineux aussi à l'intérieur. Donc, c'est parti de là. Il fallait absolument qu'il y ait une cabine propriétaire aussi spacieuse, voilà, vraiment pour que le propriétaire se sente très bien sur son bateau. Et puis ensuite, on a pensé aux invités ou aux enfants qui naviguent et qui, eux, sont logés plutôt sur la partie avant du bateau. En termes d'aménagement, combien de plans d'aménagement différents sur cette AMEL 50 ? Il y a un seul plan d'aménagement sur le 50, en fait. Il n'y a pas de variation possible. Les quelques variations vont être sur des détails. Par exemple, sur la cabine avant tribord où on a deux couchettes superposées, il peut arriver qu'un client demande à n'avoir que la couchette du bas, par exemple, pour avoir peut-être plus de rangement sur le haut. Mais c'est arrivé très rarement. En attendant, nous, on va découvrir ce carré alors qui s'organise à bâbord avec un salon, avec une table rétractable. Alors, ça va être un coin repas formidable qui accueille avec les deux poufs associés. Allez, 6 à 8 personnes. La table peut s'agrandir, elle se double en surface, on le voit ici. Regardez ces détails de qualité d'inox. C'est magnifique. Détails sur les coussins, les garnitures, les cuirs surpiqués. Et alors, une table à cartes. Oh mamma mia, regardez-moi ça, c'est splendide. Oui, alors sur le coin table à cartes, c'est la partie un peu de contrôle, un tableau de bord du bateau, on va dire, avec le panneau, donc le circuit de 130 volts ici, et puis ensuite la partie 24 volts pour les éclairages, tout ce qui fonctionne en 24 volts, les commandes extérieures. Ensuite les instruments de télécommunication, la cartographie ici donc qui est ajoutée, radio hi-fi et la connectique aussi pour la télévision par exemple ou les interconnexions aussi entre les appareils. Alors ça c'est formidable. Toujours ce même niveau de finition avec un intérieur très très sobre. Là, on est sur un chêne blanchi avec une technologie de vernis. Porcreux, expliquez-nous. Le porcreux, oui, c'est un terme voilà, de gens qui travaillent le bois connaissent bien. Le vernis en porcreux permet de garder, en fait, au toucher et en apparence, le veinage du bois. Et aujourd'hui, on a des vernis de très haute qualité. Les fabricants, les fournisseurs ont beaucoup travaillé évidemment sur la composition des vernis et qui nous permet d'avoir cette finition sur le chêne blanchi, mais également sur le noyer d'Amérique pour les clients qui préfèrent une version de bois un peu plus foncée. Alors, en regard du coin repas, on a une grande méridienne sur tribord. Derrière, une télévision pop-up et puis on va faire un petit détail sur ce porcreux. Qui permet de donner un côté sensuel au bois quand on le touche, qui est extrêmement agréable. Et donc sur la partie avant, on va avoir deux cabines. Sur tribord, la cabine dont vous parliez, Stéphanie, avec ses deux lits superposés. Regardez le détail au niveau de l'habillage du roof. Les lignes sont droites. Aucun composite n'apparaît. Magnifique.
et puis la cabine VIP sur l'avant, avec un lit central. Là aussi, un habillage total du roof, un grand vitrage zénithal double, et une vue directe sur mer qui est splendide, et puis une grande penderie. Toujours ce port creux que l'on peut admirer ici. Et puis un habillage latéral, souple, extrêmement agréable au toucher en fait. C'est quoi cet habillage ? Ça c'est un revêtement spécifique pour les intérieurs de bateaux que l'on va nous préparer au chantier. Donc c'est nos garnisseurs qui font ça, hein. Il est appliqué sur les planches prédécoupées avec des systèmes de clips, d'agrafage, de colle et d'agrafe aussi par derrière. Et puis ensuite ça nous permet de le clipser donc soit sur les parois, les cloisons ou sur les plafonds aussi. Ce qui veut dire que donc sur les plafonds, par exemple, on peut déclipser une partie du plafond pour avoir accès à du câblage, à voilà, une intervention technique éventuelle. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et puis sur bâbord, une salle de bain complète, salle de bain de jour, mais également salle de bain pour les cabines avant, avec douche séparée. Toujours cette parfaite intégration du roof qui est généralement l'élément le plus complexe à intégrer à bord d'un bateau. Alors maintenant, on va découvrir deux choses que vous attendez avec impatience, chers viewers, je le sais. C'est là, tout d'abord, la fameuse cuisine coursive latérale d'un Hamel. Là, on comprend que, quand on la découvre, que l'on peut vivre longtemps à bord dans le vrai confort. Oui, tout à fait, oui. Oui, cette cuisine en coursive nous a permis d'avoir vraiment une cuisine beaucoup plus vaste, avec encore plus de rangement. Et puis, elle reste très agréable. On peut passer aisément à deux personnes dans le couloir, on va dire, hein, entre l'évier et puis la cloison centrale. Mais on peut aussi, en navigation, soit s'appuyer donc à la gîte sur l'élément arrière ou l'élément avant de la cuisine. Là, c'est comme à la maison en termes d'équipement, parce que en fait, un couple qui va partir pour plusieurs mois ou plusieurs années à bord doit avoir le même confort qu'à son domicile. Oui, c'est ça. Oui, oui, il faut qu'en effet, rien ne l'empêche, de se sentir bien, de se préparer les petits plats qu'il souhaite se faire, et puis avec tout l'équipement nécessaire. Quelques détails sur la cuisinière que l'on voit ici. Le micro-ondes, une belle capacité froid à tiroir. Et puis, last but not least, la suite propriétaire traversante de cet Hamel 50, c'est somptueux. Oui. Traversante, comme tu dis. En effet, c'est vrai que les clients, et nous, on s'en rend compte quand on fait essayer les bateaux, être dans ces cabines, même dans le cockpit d'ailleurs aussi, et ces hublots de coque là qui donnent vue sur la mer, donc soit quand on est au mouillage le soir dans sa cabine ou en navigation, on a la vue sur la mer qui défile, c'est vraiment magnifique, c'est très apaisant et très agréable. Avec une coiffeuse bureau privée qui permet à chacun de s'isoler pour... envoyer ses emails depuis son portable avec le télétravail, beaucoup de rangements un peu partout. Ce grand vitrage arrière et ces vitrages zénithaux qui contribuent à donner une très grande luminosité au bateau. Quelques détails de finition, vous savez comment j'y suis attaché sur ActuNautique. Splendide. Et puis, on parle des stockages bateaux, ça va être là. La capacité de stockage dans cette cabine. Voilà, là, on comprend qu'on peut partir longtemps en emmenant beaucoup de choses. Voilà, on a beaucoup de volume en effet de rangement sous les lits. Hein, la même chose aussi sous le lit de la cabine avant. C'est très important d'utiliser, ça c'est un exemple, évidemment il est assez impressionnant, mais tous les planchers aussi, là où on peut avoir de la place de rangement, on le fait, dans les cales qui sont sèches, hein, toujours évidemment, complètement isolées des systèmes sanitaires. Et ça c'est ce qui fait vraiment de nos bateaux, des bateaux qui sont prêts à partir autour du monde.
puis la salle de bain propriétaire sur bâbord, avec le même niveau de finition que la première. Là également, une parfaite intégration du roof, une reprise du même niveau de finition qu'on a dans la cabine et dans le reste du bateau. Beaucoup de... Le luxe, en fait, à bord d'un bateau, c'est la place et c'est le rangement, en fait, quelque part. Oui, oui, c'est très important d'avoir du volume de rangement. On s'en rend compte quand on voit nos clients, justement, équiper leur bateau au moment de leur semaine de livraison. Ils emmènent, voilà, ils ont besoin de beaucoup de vivres, bien sûr, mais aussi tous les vêtements, tous les équipements de vie à bord dont on peut avoir besoin, que ce soit des livres, du matériel de pêche, donc ce qu'on va stocker plutôt à l'extérieur du bateau, mais de plongée. Oui, c'est important d'avoir vraiment du volume et ne pas se sentir écrasé en fait, voilà, par l'espace malgré tout. Grosse capacité d'emport à bord pour faire du blue water sailing. C'est ça, tout à fait. La navigation sur tous les océans. Notre visite touche malheureusement à sa fin. Chers viewers, je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors la question rituelle, il vaut combien ce bateau et il est fabriqué où exactement? Alors il est fabriqué à La Rochelle, à Périgny exactement. C'est une petite commune à côté de La Rochelle où se trouve une belle activité nautique déjà. Et nos chantiers sont à Périgny dans cette zone d'activité. Depuis plus de 50 ans. Et le prix pour un Amel 50 tout équipé, donc avec ses options, comme ce bateau-ci par exemple, c'est environ 1 200 000 euros TTC. 1 200 000 euros TTC. Et celui-là, il part où? Alors celui-là, il va avoir un programme de navigation d'abord jusqu'au le long de. Il va partir de La Rochelle, il va naviguer jusqu'en Espagne, et puis ensuite Canaries, Cap-Vert. Traverser l'Atlantique et rejoindre la côte est américaine voilà, sur plusieurs mois, tranquille. Et ensuite, je ne sais pas, c'est déjà la première partie du programme des propriétaires. Sachant que les propriétaires, initialement, ils n'y connaissaient pas grand-chose à la voile. Exactement, exactement. En discutant avec eux, on a compris, ils nous ont expliqué que cette envie de partir sur un bateau, sur les océans, elle est née avec l'un des premiers confinements aux États-Unis. Et donc ils ont commencé à faire de la voile en étant accompagnés d'un professionnel dans leur pays, et puis ils ont cherché un bateau pour eux, et donc ils ont trouvé que le concept Amel, justement, de bateau simple à manœuvrer leur correspondait tout à fait puisqu'ils n'ont aucune expérience, et donc voilà, ces clients, ça y est, ont pu enfin prendre livraison du bateau, et maintenant il leur reste, voilà, à se continuer à se familiariser et à s'approprier leur Amel et partir ensuite tous les deux. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vous propose de vous quitter avec un panoramique du carré de cette Amel 50. Voilà. Magnifique voilier de croisière hauturière. À très bientôt sur Bathoscopie.